notre chaîne et en même temps, on va faire une petite vidéo. On présente le copain que je joue avec, Jeffrey. Aujourd'hui, on va faire de la pâte avec une petite presse à balles carrées, puis les fermes 7-22 et 7-24. Ok, c'est parti, Geoffrey. On fait de la pâte présentement. Quoi? C'est bug. Je suis désolé, Harry, parle pas mal, mais il faut parler un peu quand on fait des vidéos. Ouais. Oh, désolé, désolé pour le petit bug. Il y a eu un petit bug, puis j'ai été dans le champ. Ah, Harry, il est l'ordi de... On est dans les magnifiques fêtes 700. Hey, je me mets. Faut que tu parles, ok? Henri? Oh, désolé, encore un petit bug. Désolé, moi aussi, ma grand-mère parlait. Désolé si on entend des voix, des fois, on a de la famille, fait qu'il y a des petites voix dans la famille ou de parents ou de grands-parents, des fois. On va essayer de ne pas mettre un vide dans ma porte, c'est plus possible, mais quand je ferme ma porte, c'est extrêmement chaud. Non. Puis le vide, c'est même dans la rue, il y a pas de temps qu'il rentre, puis vu que moi, surtout, le vide, dans les terres, ça fait la meilleure des cochons. Fait que j'essaie de pas la rouvrir le plus possible. Ok. Là, on s'en aller au champ de paille. Ok, on va aller dropper la verre. Ouais, on va aller vider. On s'est aperçu qu'on pouvait pas vider la paille en vrac, c'était bien là. Fait que là, il va falloir la vider dans le slow en slash. On va faire comme de l'enslash. C'est pas très réel, mais. On va essayer de trouver une map qu'on peut en faire. Vous allez voir peut-être que nos prochaines vidéos vont être sur la Belgique profonde. Ça, c'est une très bonne suggestion. Moi et mon copain, on a déjà joué pas mal en multijoueur dessus, puis on l'a bien aimé. Il va avoir du solo? Il va avoir du solo parce que moi, Henri, je vais faire du solo. Et mon ami Jeffrey va faire du solo. Le mercredi. Ouais, le mercredi, on va faire peut-être plus de solo. Surtout que mon ami est au téléphone, fait que je sais pas si on va bien m'entendre. Au téléphone, bon, on peut. J'essaie de parler le plus fort possible, mais il faut pas trop déranger non plus. Henri, ça sera pas long, les amis, on va essayer de domper. Henri, il est pas très bon dans les marches arrière. Ouais, surtout avec une voiture comme ceci, c'est très dur de reculer. Tu es meilleur que lui. On peut dire que tu as une meilleure habitude. Henri? Quoi? C'est pour te dire que l'autre remorque est pleine aussi. Ok, parfait. Et quand tu vas arriver au champ numéro 17, tu vas le voir. C'est au début du champ. Oh, Jeffrey, on peut pas vider. Dans la paille, dans la section de paille pour les vaches. Ouais, pour pailler les vaches. Donc on va domper directement dans la section paille pour les vaches. Parce que... Oh, désolé.
Jeffrey, on a un petit problème. On a atteint la capacité suffisante de paille. On a atteint la capacité suffisante de paille. Fait qu'on va remplir toutes nos voitures, puis on va arrêter la paille. OK, ça. Après, on va aller faucher. On va aller faucher, les gamins, les faucher. Mais là, toi, ta remorque que tu vides, mais... Oh, purée! 77%, fait que je vais te la porter, puis tu la rempliras bien pleine. Juste payer sur le Ouais, parce qu'on a juste un plat, puis après ça, on a passé le goût. Mais quand on repense et on joue là-dessus, c'est bien le fun. Parce que le foin de cette base, ce plat-là, il est très beau, très beau. C'est le plus beau que j'ai vu à date. Les rangs sont gonflés, puis le foin, il est pas tout le temps pareil. Quand il est fané, il est différent. Quand il vient d'être fauché. Oh, désolé, il y a un gros bug. Puis j'ai planté. Ouais, ça se peut bien. C'est sûr qu'à un moment donné, j'arrête. Je vais aller faire quelque chose. Puis il va revenir après. Il va revenir 5 minutes plus tard. Fait que pendant ce temps-là, Henri va... Il va aller nous retenir l'autre chien, dans le sac. Vous allez voir, c'est pas réel, pas tout, mais bon. On fait que c'est avec quoi qu'on y va. Vous allez, si on passe au travers, on sait. On n'a pas le choix de se rendre à l'entrée. Désolée, j'étais allée parler à mon ami. Okay. La paille aussi est très très belle. Ok, on voit que les plaintes. Hey Jeffrey, bouge pas, je vais aller faire ramasser les balles et tout, c'est ta place. Ok, c'est correct. Ça va être bientôt la fin de cette vidéo, car ça va être une vidéo d'une dizaine de minutes. Ça va être une bonne vidéo, je pense, pour notre première vidéo qu'on publie sur YouTube. On va en refaire une après, mais on va en refaire une après. Ça va être qu'on va moissonner, puis peut-être faucher du foin. Je vais vous montrer un peu mon ami pressé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de énormément de rendement dans la paille. Cette belle petite presse. Hein, je suis là. Ok, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère vous revoir. Et n'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner. À la prochaine!